En clair, tout organisme doté d'une masse suffisante et de cognition est un vecteur potentiel. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Splendide, on y va ? Hélas, je ne peux pas vous aider davantage. Le protocole n'autorise pas les unités d'Egori à effectuer des tâches aussi importantes que la réunification de l'index et du noyau. Cette dernière étape est pour vous, réclameur. Bizarre, ça n'aurait pas dû arriver. Oh, vraiment ? Cortana. J'ai passé les 12 dernières heures ici, enfermée, à observer cette chose se préparer à nous trancher la gorge. Attendez, c'est un ami. Oh, je n'avais pas compris. C'est votre copain, hein ? Votre pote ? Avez-vous une idée de ce que cette vermine a failli vous faire faire ? Oui, activer les défenses d'Halo et détruire les Floods. C'est pour ça qu'on a apporté l'index au centre de contrôle. Ce truc ? Une intelligence artificielle dans le noyau, c'est totalement inacceptable. Allez-vous-en ! Quelle impertinence ! Je devrais m'occuper de vous. Vous croyez que ce serait une bonne idée ? Quand ? Osez-vous ! Je vais... Eh bien quoi ? C'est moi qui ai l'index. Vous pouvez toujours parler. Assez ! Les Floods se répandent. En activant les défenses d'Halo, on pourra les éliminer. Vous ne savez pas comment fonctionne l'anneau, hein ? Pourquoi les Forerunners l'ont-ils construit ? Halo ne détruit pas les Floods, il détruit leur nourriture. Les humains, les Covenants, qu'importe, on est tous comestibles. Le seul moyen d'arrêter les Floods, c'est de les affamer. Et c'est exactement le but d'Halo. Débarrasser la galaxie de toute vie pensante. Vous ne me croyez pas ? Demandez-lui. C'est vrai. Plus ou moins. Techniquement, l'impulsion de cette installation dispose d'un rayon maximum de 25 000 années-lumière. Mais petit à petit, cette galaxie se videra de vie, ou du moins, de vie disposant d'assez de biomasse pour entretenir les Floods. Mais vous le saviez déjà. Enfin, c'est évident. Il a oublié ce petit détail, hein ? Nous avons suivi la procédure de confinement à la lettre. Vous avez toujours été à mes côtés lors de cette crise. Je détecte une présence. Pourquoi hésiteriez-vous à faire ce que vous avez déjà fait ? Il faut y aller, tout de suite. La dernière fois, vous m'avez demandé si je le ferais, si j'avais le choix. J'y ai bien réfléchi, et ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas le choix. Nous devons activer l'anneau. Sortez-nous d'ici ! Si vous ne voulez pas aider, je trouverai quelqu'un d'autre. J'ai toujours besoin de l'index. Donnez-moi l'artificiel ou je serai contraint de vous la prendre. Ça ne risque pas. Très bien. Sauvez sa tête. Débarrassez-vous du reste. Attention ! Attention ! Laisser le monitor activer Halo. Il faut l'arrêter. Il faut détruire Halo. Après avoir analysé les données disponibles, je crois que la meilleure chose à faire est quelque peu risquée. Une bonne explosion déstabilisera l'anneau et désactivera la plupart des systèmes principaux. Il faut cependant déclencher une explosion à grande échelle. L'emballement des réacteurs à fusion du vaisseau devrait faire l'affaire. Je vais aller voir ce qu'il reste du réseau de combat des Covenants et essayer de découvrir où le Pillar of Photons s'est écrasé. Si les réacteurs à fusion du vaisseau sont en bon état, nous pourrons les utiliser pour détruire Halo.
d'abord localiser le lieu du crash. Mais essayons de gagner du temps, au cas où le Monitor ou ses sentinelles réussiraient à activer l'arme maîtresse d'Halo sans l'index. Les dispositifs de ces canyons sont les principaux mécanismes de mise à feu d'Halo. Ils se composent de 3 générateurs pulseurs qui amplifient le signal d'Halo et lui permettent de tirer dans l'espace. La puissance est énorme, je n'arrive même pas à calculer la portée de l'impulsion. Alors, si on endommage ou détruit ces générateurs, le Monitor devra les réparer avant qu'Halo ne puisse être utilisé. Cela devrait nous faire gagner du temps. Je désigne l'emplacement du générateur le plus proche par un point de navigation. Il faut continuer et neutraliser le dispositif. Attendez, on devrait s'emparer d'un de ces Banshees. On en aura besoin pour rejoindre le générateur à temps. Bien. Continuons. Le point de navigation désigne notre cible. Voici le générateur pulseur. Objectif atteint. Le générateur est en surcharge. Scan. Le noyau du générateur est désactivé. Bien joué.